Troub sa, nou di, troub sa se troub ki ta de fe dirijan ayisyen yo pran konsyans. Paske se pa jodi a, sa anonse. Malerezman, se kom si moun kap dirije yo, yo pa jam fe prevensyon. Paske mon proverbe qui dit chimé bouton c'est chimé malin. Ça fait longtemps depuis que plus être foyer dans chaque coin dans quartier ou bien dans chaque coin dans pays jusqu'à ce que presque généralisé. Nous même dans le Conseil national de la société civile haïtienne nous positionnons plusieurs fois sur cette question ça. Nous dit problème qui est dans la société haïtienne, pas qu'à résoudre par la violence. Faut gagner capacité dans dirigeant à tous les niveaux pour leur problème posé, pour qu'ils connaissent parler, pour qu'ils chita parler. Parce que ça qui est développé dans la police là, en particulier, c'est une bagarre qui est grave et archi grave. Parce que nous avons vu un groupe qui est sans mémoire. C'est ça qui est passé dans la médaille. Les soldats ont marché, arrêté commandant dans tout le département. Et puis, une vidéo dans le quartier général. Et vous avez un état-major qui a accepté. Mais c'est comme ça. Corps après divisé. Et nous pensons que c'est la même chose qui vivait la police nationale là. Autant de chaque fois gagner un agent ou bien un inspecteur qui a dénoncé au état-major qui a dit gagner opération qui mal planifiée et nous venons rendre compte qui est ce qui a payé pour casser ces pauvres malheureux et pauvres malheureux qui font un pile fort avec petit yo pour yo bay route pour chercher la vie et mais c'est eux même qui a payé les frais de mauvaise planification ou bien manque de volonté des dirigeants pour créer conditions pour le peuple à vivre plus bien, pour le peuple à vivre bien. On dit violence qui vient en chaîne, tant au niveau quartier populaire, à travers les gangs armés, tant au niveau de la police qui vient diviser des syndicats dans l'institution, le groupe qui est le tête de Fantôme 509, tout qui ça, on dit qui. La motivation pour faire ça, c'est les mauvaises conditions de travail, les mauvaises conditions de la vie. Mes amis, si nous pensons que c'est la violence qui a des résultats, eh bien, nous avons tourné dans ce qui est plus grave que dans 27 ans, nous avons dit nous paraît comme une équipe dirigeante incapable. Qui carrément dans nous en troisième occupation. Et dans la raison ça nous-mêmes nous fait appel à tout le monde de bonne volonté, à tout dirigeant qui conscient toujours pour nous dire non, non, nous pas qu'à résoudre le problème ça par la violence, mais faut nous prendre disposition réelle pour nous résoudre le problème et seule façon ça qu'à faire c'est le d'accord on chita parler avec l'autre. C'est clair parce que si c'est seule force de sécurité nous gagne. Bon, c'est vrai, nous disons que nous avons une force qui est remobilisée, mais nous ne pouvons pas la l'œuvre. Si c'est la police nous vient qui peut assurer la sécurité des vies et des biens, si la police a goumak la police a tiré la police, agent a dit qu'il va reconnaître le leadership ou le commandement, mais qui ça nous y est? Comment nous allons faire combattre les gangs? Comment nous allons faire combattre l'insécurité généralisée qui est dans le pays? L'homme ou la police, un policier en face, est-ce qu'on va prendre si son bon policier ou bien si son mauvais policier? Mais il y a une certitude dans la société. Et seul les gens nous ont résolu le problème, ça, c'est le nous chita, nous d'accord, nous gardons l'autre manger et puis pour une responsabilité fixée. Et c'est ça que fait. Sous ça qui passe dans le village de Géa, nous même nous demandons une enquête internationale indépendante. Parce que faut la vérité rétablie. Comment y aurait-il, y dit, c'est seul inspecteur Kalari Boucher qui est responsable? Est-ce que c'est l'été chef opération?
Est-ce que c'est lui qui a fait l'ordre pour l'opération déclenchée? Seul gens pour nous connaître ça, puisque lui-même dit déjà au côté, quel que soit ça, le dit, il a dit cette tête, il a défendu, et bien il faut qu'on enquête qui fait, en toute indépendance, qui dit très clairement qui est-ce qui te bail l'ordre pour l'opération en déclenchée, et qui est-ce qui te placé pour faire suivi, la police a demandé renfort, qui est-ce qui te chef opération qui te doué voyer renfort, toute question ça, il n'y a pas qu'à la manipulation politique. Chaque groupe a pu utiliser la fin par eux. La société a besoin de connaître ce qui passe. Et nous-mêmes, dans la société civile haïtienne, c'est ça que nous-mêmes nous demandons. Il faut que la vérité rétablisse cette question. Et c'est ce que nous avons fait pour confiance dans l'institution policière. Nous-mêmes, nous sommes là pour nous défendre l'intérêt de tout le monde. Nous ne sommes pas là pour nous défendre l'intérêt en groupe. Nous disons d'abord, il faut qu'il y ait un effort qui fait de la part des autorités compétentes pour rétablir confiance dans cette institution policière. Parce que c'est nous gagnons qui pour assurer la sécurité. Deux, faut nous gagnons de créer des conditions pour effectivement la population à Kakone qui est en façon bon policier et qui est en façon fauteur de troubles. Parce que nous avons perdu, on a l'école déjà, nous avons perdu l'année ça. Si nous avons perdu l'année ça, pas de personne qui dit rien. Mais la population aux abois, c'est nos pays qui ont fonctionné dans l'informel. Mais tout le monde qui sortit chaque jour pour défendre la vie, mais chaque jour il y a un trouble, c'est que le monde ne peut pas vivre. Ça, c'est un gros complot contre la société haïtienne. Et c'est dommage, et ensemble des dirigeants, et comme si ils tout impliqué dans le complot. Ça. Parce que nous ne pas sentir gagner une volonté pour créer confiance dans l'institution. Au contraire, c'est démanteler toute institution à démanteler. Sous base ça, nous dit qu'il est extrêmement important pour toute organisation qui dit qu'elle défend le droit de l'homme dans le pays d'Haïti, il faut gagner une enquête objective qui fait sans que nous ne pas prêts à aller sur l'autre. Et ça fait nous-mêmes dans le Conseil national, là, nous appuyer, nous demander pour gagner une enquête internationale. Nous pas dit pour l'institution haïtienne de ne pas faire enquête. Organisation de la Jumeur, qui a sorti des rapports, etc. Et pas ça nous dit, pour enquête, parce que quand pile enquête qui fait ici, et chaque monde toujours dit, ça fait, monde ça fait, et tel rapport, et parce qu'elle pas bien avec tel monde. Nous besoin d'une enquête côté sur cette question. Parce que nous songeons, là où tu prends Vladimir Leganière, dans le Grand Ravine, tu as une opération qui t'a fait, et il y a des policiers qui étaient en danger, il y a des gens qui travaillent. Mais après ça, tu as un rapport, c'est la police qui te paraît comme victime dans le rapport. Ça. Mais sur cette base, nous disons cette fois-ci, un nous travaille pour nous avoir une enquête pour tout le monde qui connaît qui s'est sorti, qui s'est passé. Et tout autant nous pas fait ça. Je dis à nous devons faire pour nous combattre le monde. Mais demain, nous devons tourner contre nous. Parce que c'est comme ça que nous travaillons dans le pays d'Haïti. Chaque fait nous fait, chaque ça nous tente et fait, c'est au profit de un groupe monde contre l'autre groupe monde. Un nous travaille pour la société. On nous travaille pour le pays, on nous met intérêt pays avant intérêt du monde, du groupe monde, du clan. Message Conseil national société civile haïtienne gagné. Ce problème qui est là, nous fait un pile tentative déjà. Nous ne pouvons pas résoudre. Seuls gens nous-mêmes nous pensons pour problème ça résoudre, problème de confiance qui est dans la société. Parce que presque tout le monde est méfiant vis-à-vis de l'autre. Message pas non. C'est pour nous dire, Haïtien, si nous te fait 1803 qui te débouché sur l'indépendance en 1804, c'est que nous sommes capables de pas quitter le monde complexe, nous dire nous pas qu'à chita, faut nous joindre un autre monde qui peut mettre nous chita. C'est nous-mêmes qui pouvons prendre une décision pour nous chita et pour nous dire qui pays nous voulons vivre. Et qui pays n'a quitté pour petit nous demain. C'est seul comme ça pour nous montrer nous ces héritiers, dignes héritiers de Jean-Jacques Dessalines, de tout et pour l'indépendance. Il a montré que effectivement nous sommes des monde qui compte côté nous sortir et nous annoncer très clairement par rapport à côté nous sortir, même si nous misons en route, mais nous compte côté de balle. Merci.